bienvenue sur la chaîne Roue Guitare, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve avec très grand plaisir pour travailler aujourd'hui un blues mineur, une grande première donc, puisque sur la chaîne Roue Guitare, peut-être vous l'avez remarqué, il y a énormément de blues, mais des blues majeurs, c'est-à-dire on va suivre des accords majeurs. Par exemple, la majeure, Ré et Mi. Dans la plupart des cas, ça sonne quand même mieux de faire un septième. Et sur le blues majeur, on a besoin de suivre la couleur des accords et particulièrement les notes importantes, les notes cibles, dont la fameuse tierce. Et donc c'est pour ça que quand vous jouez la mineur pentatonique sur un La majeur, et là encore j'ai résolu sur la tonique, mais c'est vrai que ça sonne un peu dur, donc ça sonne en fait plus sympa. Des petits phrasés autour de la tierce. Et dans notre cas, la tierce majeure. Alors, le blues mineur. On va essayer d'avoir à la fois des notes de solo, avec, si possible, un petit côté expressif. Donc, on ne va pas en loger énormément. Et puis, c'est une petite étude, donc il faut que tout le monde puisse participer. Donc, vous qui êtes un petit peu au début de la guitare et un petit peu au début avec le blues, vous allez pouvoir vous amuser parce que ce que je vous ai écrit, c'est vraiment super simple. Les notes, on peut les compter sur les doigts presque. Et puis vous qui êtes avancé, eh bien, vous allez pouvoir également vous éclater puisque une fois que vous aurez compris le principe, vous allez pouvoir rajouter plein de notes entre les accords et ça va fonctionner. Donc pas besoin de backing track. Aujourd'hui, vous allez également apprendre et comprendre comment fonctionne la signature rythmique, le 6-8. Alors, ne vous en allez pas, je vais faire ça simple et direct. Vous êtes peut-être habitués, enfin on est tous les rockers et les amateurs de pop habitués au 4-4. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que vous avez en fait 4 noirs à l'intérieur d'une mesure. Donc ça vous donne en fait le type de cycle. Et en général, la batterie donc, va mettre un accent sur le deuxième temps et sur le quatrième temps. Bon, on va faire simple, on va faire court. Le 6-8, eh bien on va avoir une pulsation ternaire, et ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec notre guitare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Donc vous voyez qu'il y a ce petit côté comme ça. On a l'impression que ça se balance. Pourquoi? Bien parce que ça vient du ternaire. Alors, ce n'est pas la valse en 3 temps, mais ça va être une pulsation plus rapide. Et donc, la batterie ou les autres instruments, parce que là, on n'a pas de batterie, donc on va essayer de la remplacer, en fait, en jouant des notes ou des accords importants sur la deuxième partie de notre mesure. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien voilà, vous l'avez entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pam, pam, pas. Pam, pas. Et bien ça, c'est ce que ferait un batteur. Mais on n'a pas de batteur. Donc on le fait nous-mêmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grosse caisse, caisse claire. Ça, c'est les notes basses. Et ça, c'est nos notes hautes. Donc c'est parti. Vous allez diviser en deux parties votre la bémol mineur. Et dans ce cas, ça va être un la bémol mineur 7 si vous le jouez comme ceci avec un seul doigt à la sixième case. Basse et note haute. Grosse caisse, caisse claire. Et donc, on compte. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir 8 mesures. Ça va être un blues en 8 mesures. Ce n'est pas un blues en 12 mesures comme d'habitude. On a le droit de faire ce qu'on veut. Alors, par souci de simplicité, on va jouer le Ré bémol à la 9e case. Donc, on appuie légèrement et ensuite on relâche la pression pour avoir ce son staccato. Vous voyez,
clavier que je laisse pas appuyer, sinon ça va faire ça. On essaye d'avoir les notes qui vont durer le moins longtemps possible. Donc vous voyez que j'appuie et je relâche. Idéalement, vous pourriez travailler ça avec un métronome qui aurait la possibilité de vous proposer des signatures rythmiques en 6-8. Alors celui-là, j'ai voulu qu'il soit hyper basique, mais bon, évidemment, il est tellement basique qu'on n'a pas le 6-8. Donc je suis obligé de le mettre un petit peu plus vite. Là, je suis à 138 BPM. Et donc, ça va nous aider en fait à séparer nos pulsations. Et vous allez vous entraîner comme ceci. Donc avec le premier exercice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le deuxième exercice, vous avez également une basse, une ligne de basse qui est rajoutée, donc en plus de la grosse caisse et de la caisse claire virtuelle. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Donc évitez d'avoir une attaque trop brutale et trop inégale. Il va falloir essayer un petit peu d'étouffer avec la paume de votre main la corde. Et donc, rajoutez toutes ces petites choses qui font que le son est sec, direct, mais vivant. Ne faites pas. Vous voyez qu'il y a toute une différence de dynamique. Allez, on va le jouer au métronome. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 6. Vous venez de le comprendre, maîtriser la partie rythmique est essentiel si vous voulez arriver à jouer un solo qui soit cohérent. Sinon, vous allez à chaque fois dépasser de vos mesures, vos temps vont être trop longs, ils vont déborder sur une mesure, sur la mesure suivante. On ne va pas reconnaître donc l'accord suivant, puisque vous avez vu que ces cycles, bien si on les décale, ça ne marche plus du tout notre blues mineur. Donc c'est ça qui fait que, des fois, voilà, quand vous jouez un solo de blues, même si vous jouez les bonnes cases sur le manche, ça ne sonne pas terrible et ça ne sonne pas crédible. Bien, le plus important, c'est le rythme. Vous êtes dans votre cycle, vous restez véritablement bien dans le cadre de cette rythmique sans déborder un accord sur un autre. Ça va fonctionner. Donc même un guitariste qui ne joue pas énormément de notes, qui n'est même pas très sûr de lui en lead, c'est-à-dire en solo, bien il va sonner beaucoup mieux qu'un virtuose qui va déborder sur chaque mesure. Et après, on ne sait plus où on est, sur quel accord on est, évidemment, ça ne ressemble plus à du blues. Alors, vous allez me dire, oui, bon, voilà, c'est pas... s'il y a tellement de choses à respecter, on n'y arrivera jamais. Bon, les choses ne se fabriquent pas, elles ne se font pas comme ça. Si en 2 minutes ou en 20 minutes, je pouvais vous enseigner à être aussi bon que Joe Bonamassa ou B.B. King, vous n'auriez pas besoin de moi, tout le monde saurait le faire. Et voilà, et donc ces grands artistes-là ne seraient pas à leur place parce qu'ils ont avant tout ce sens rythmique, ce rythme qui vient en premier, et les notes, en fait, toute leur virtuosité ou leur phrasé extraordinaire se rajoutent après. Alors, je vous ai vendu un petit peu mon système. On va passer aux notes lead. Ici, on va jouer donc la pinta, la bémol mineur. Quatrième case, donc vous allez faire 4-7, 4-6, 4-6, etc., etc. Je pense que vous la connaissez. Donc là, on a le droit, en fait, de ne pas suivre les accords obligatoirement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre gamme va suffire largement à couvrir déjà les deux premiers accords. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cycle démarre sur le... Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,
Ça, c'est le 1. Donc ça, vous n'allez pas démarrer votre... et ensuite à placer l'accord au mauvais moment. C'est pour ça que c'est très, très important. On attaque donc sur les deux dernières croches de la première mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais avoir mon petit vibrato à la BB King. Bon, voilà, ça m'inspire les sonorités de BB King. Et donc sur le vibrato, vous vous souvenez, vous décollez le pouce, vous avez cette ligne, je vais baisser mon volume, entre le pouce et le petit doigt, donc vous repliez l'index. Je vous ai montré la vidéo avec Florent Passamonti, comment faire le vibrato style BB King, et puis lui, il vous a montré comment faire le Steve Ray Vaughan et Clapton. Donc là, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas savoir faire un vibrato. Alors je vais brosser. Vous voyez que je vais étouffer. Et accélérer. Et ensuite, le petit accord de rythmique. Donc ça, c'est notre caisse claire. Là, on n'a pas la grosse caisse, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous allez le faire en slide, en fait. Avec un petit vibrato, comme ça. Donc là, ça va être selon le doigt qui vous convient le mieux. Comme ceci, travailler la frette. Vous devez laisser de la place parce que vous allez reprendre l'accord. Donc, le Ré bémol mineur, évidemment, en triade. Donc, vous allez faire ce demi-barré. Si vous n'avez pas le temps de faire votre basse, vous le faites avec le pouce. Donc, au-dessus, à la 9e case. Ensuite, vous pouvez revenir en slide, comme ceci. Comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Évidemment, le slide va permettre de remplir un petit peu. À ce moment-là, peut-être dans ma démo, je fais... Non, je pense que je fais un truc dans ce style-là. Qui est la même note. Hein. Donc, on est sur la bémol. La bémol, pour revenir sur le la bémol, hein, y a pas de secret. Donc, même si on est sur la pentatonique, je ne peux pas m'empêcher de rajouter des notes, désolé. Même si on est sur la pentatonique, on veut quand même rester collé au plus proche des accords au niveau des notes lead. Donc le la bémol, c'est la sécurité. Et ensuite, pour revenir sur le mi bémol 7, vous avez remarqué qu'avec un seul doigt, en fait, je fais... Pourquoi j'utilise qu'un seul doigt? C'est vrai que ça serait plus sympa de le faire avec trois doigts, mais comme on a l'accord de septième ici, vous notez que le pouce, c'est vraiment là pour, par sécurité, pour ne pas faire résonner la grosse corde. Ça serait une catastrophe, hein, ça ferait ça. Donc vous, voilà, une fois que vous l'avez eu, vous voulez mettre le pouce là pour ne pas l'entendre, la grosse corde. 2, 3, 4, ce qui vous donne le temps ensuite de placer les doigts. Donc ce petit triangle. À noter, une très bonne alternative, c'est le faire ici aussi. Et là, vous pouvez utiliser les doigts. 1, 2, 3. Vous placez. On reprend ensemble l'intro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Bien entendu, vous avez les tablatures à l'écran, mais vous pouvez avoir beaucoup mieux que ça. Vous pouvez les télécharger au format PDF et Guitar Pro. Et en bonus, je vous ai fait le playback, donc avec la tablature qui défile et les notes par-dessus. Donc, ça va vous aider à le travailler et j'ai ralenti la vitesse. Donc, vous allez pouvoir vous entraîner avec. Merci énormément de votre support. Ça m'aide énormément.
Rappelez-vous que en vous abonnant à la chaîne Roue Guitare, eh bien, ça peut être un moyen de me remercier si vous appréciez mes tutoriels. Et je sais que certains d'entre vous les apprécient. J'apprécie en retour vos messages de soutien et d'encouragement. Alors voilà, c'est pas fini le blues, ni le picking, ni le jazz. Je travaille sur d'autres tutoriels, donc ils vont venir. Soyez patients. Chaque tuto demande un petit peu de réflexion, en fait, à essayer de faire quelque chose qui tient la route, qui soit à la fois un petit peu différent de ce qui est proposé ailleurs et qui soit accessible pour le plus grand nombre. Je vous retrouve avec très grand plaisir pour un prochain tuto. Bye bye.